Salut à tous, ça va, tout le monde est là, Bonjour André Manoukian. Tu sais que j'adore ta voix, hein, Jade. Ah, merci. Elle me fout les poils. T'es perché quelque part entre Janis Joplin et Huguette Bouchard. Merci André. Dites-nous plutôt ce qui vous amène. Il y a Francis Cabrel qui fait son grand retour. Alors je vais te raconter l'histoire secrète de la chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Tu connais la chanson? Bien sûr, je la connais. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. C'est pas mal, mais fais attention, t'as fait un mi bécard à la Christophe Willem. Alors que si tu veux chanter un peu faux comme Camélia Jordana, il faut la prendre en fa dièse bémol, un peu déglinguée à la Amy Winehouse. Écoutez, j'essaierai, promis. Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de cette chanson, André. J'ai envie de dire que c'est une histoire très belle, comme toutes les histoires secrètes, parce que la chanson, elle a failli s'appeler autrement. Ah bon? Dingue. Francis, il avait composé une chanson intitulée « Je t'aime » pour sa copine de l'époque qui s'appelait « La Dame de Haute-Savoie » à cause de sa marmotte qui était toute dorée. Doré, mi, fa, sol, dièse. Oui, André, et alors? Eh bien, il y a quelqu'un qui lui a dit que « Je t'aime », c'était déjà pris comme parole. Ah ben oui. Alors Francis, il est descendu dans son sous-sol, et il a trouvé un livre de grammaire où il y avait plein de conjugaisons. Ouais. Et il a enregistré sa chanson « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais et j'aurais aimé que tu le suces ». C'est comme ça qu'elle devait s'appeler la chanson au début. Mais quand il la chanta, sa copine le griffa, fa, mi. Merci André, c'est toujours passionnant. Attends, parce que le tube, c'est pas Francis avec sa nuque longue, sa guitare et ses rengaines, c'est Clara Luciani, qui n'a rien à voir avec Lucky Luciano. Oui. C'est Clara Luciani avec ses pattes d'Ève, ses cols pelés à tarte et ses yeux de biche égarée. Tu connais sa chanson à Clara Le Reste? Mais j'adore, bien sûr. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. T'as un vibrato cosmique qui me rappelle ce moment où on se tape le petit orteil sur le pied de la table basse du salon. C'est hyper planant. Bon, racontez-nous l'histoire secrète de la chanson de Clara Luciani. Bon, alors, vous la situez un peu. Bien sûr, tout le monde la situe, André. Elle est un peu maigre hein, quand même. Alors, Clara, elle était en terrasse dans le 11e avec sa copine Agathe. Elles ont eu faim, du coup, elles ont commandé une assiette de charcuterie. Il y avait du jambon, de la rosette, du salami, de la tomate mozzarella, Et puis, tu sais, la fameuse petite feuille de salade qui sert à rien. Oui. Clara, elle a mangé la feuille de salade, elle a dit à sa copine, le reste, je te le laisse. Pour ça. Elle avait sa chanson. Et en même temps, elle gardait la ligne. Le reste, je te le laisse, elle gardait la ligne. Ah, j'ai bien compris. Elle n'a pas besoin de faire un régime comme j'aime, Clara. Non, ça marche pas. Il n'y a pas de rare. Oui, non, c'est la bémol. Vous êtes sûr de l'authenticité de cette histoire secrète, là, André? J'ai envie de te répondre en paraphrasant Lacan. Ce que je cherche dans la parole, c'est l'impossible par lequel la vérité tient au réel. Ce qui veut dire? J'en sais rien, mais c'est hyper puissant comme credo. Do, comme credo. Do, ré, mi, fa, sol.